Salut tout le monde, c'est Matt et bienvenue de retour sur ma chaîne pour nos aventures avec la JOCR. Alors, on s'est quitté sur un match la dernière fois face au FC Lorient qu'on avait perdu, je ne sais pas si vous vous rappelez, 3 buts à 2, dans un match un peu particulier où on a été mené à 3 buts à 1 et puis on a failli, on aurait pu revenir à la fin de match. Et je vous avais dit du coup, il fallait qu'on travaille un petit peu défensivement, qu'il fallait qu'on s'améliore. Si on voulait espérer quelque chose, à ce moment-là, on était descendu à la 7e place du championnat. Et on était dans une phase un peu compliquée avec deux défaites consécutives. Alors, on a pas mal travaillé, on a pas mal avancé sur la partie. Enfin, on a avancé, comme je vous l'avais dit, vous voyez, on est au 16 janvier. Et on a pas mal avancé et ça s'est plutôt pas mal passé. Alors, je vais vous montrer un peu voilà, les résultats. Voilà un petit peu les résultats que nous avons eu. Alors, derrière cette défaite à domicile face à Lorient, on a tout de suite réagi avec une super victoire, 3 buts à 0 à Valenciennes. On n'a pas changé grand-chose par rapport à la tactique mise en place face à Lorient. On a simplement changé notre approche, en fait. Je vous montrerai ça un petit peu, je vous détaillerai ça. Et puis, là, vous voyez, on a enchaîné. On a enchaîné 3 buts à 0, 3 buts à 0 face à Sochaux à domicile. À ce moment-là, Sochaux, ils étaient un peu au fond du gouffre. Donc, on a réussi à en profiter. On a été gagné 3 buts à 1 à Brest. Puis encore 3 buts à 1 à domicile face à Quevilly. Vous voyez, hein, les 3 buts marqués, c'est un peu le tarif. Ça a été un peu le tarif à ce moment-là. Bourg-en-Bresse, 3 buts à 0. 3 buts à 1 face au Gazélec. Donc vraiment, des prestations abouties avec des résultats très intéressants. Un 7e tour de la Coupe de France, bien négocié avec un 7 buts à 0 face au FC Saint-Eustache. Bon, pas grand-chose à dire, on était supérieur, on a fait preuve, on a fait un bon match. Voilà. Un super match face à Clermont à l'extérieur, où Abdoulaye Sissako a été expulsé à la 52e minute. Ça aurait pu nous coûter cher, et puis finalement, bon, on se fait égaliser à la 93e minute, mais on a vraiment fait un bon match. Alors, j'étais assez content de notre prestation. Derrière, on a perdu à domicile face à Nancy, 2 buts à 0 dans un match où on réussit pas grand-chose. Ça a été un peu compliqué. Je peux vous montrer peut-être, si j'y arrive, les statistiques. Non, il se passe pas grand-chose. Tac. Vous voyez, on a archi dominé ce match, je ne sais pas si vous apercevez, 62% de possession. Par contre, voilà, on se tire pour 3 cadrés pendant que les Nancéens tirent 12 fois au but et ils en cadrent 7. Voilà, la différence, elle se fait là. Bon, un match comme il peut en arriver par moment sur Football Manager. Entre temps, on avait battu Rennes 3 buts à 1. En Coupe de la Ligue, en troisième tour de la Coupe de la Ligue, donc pareil, un super résultat, vraiment très content. 1 but à 0 face à Reims, 1 but à 0 face à Avranches en Coupe de France, on était un peu moins bien. 0-0 face à Châteauroux à domicile, là je me suis dit, aïe aïe aïe, on joue Metz derrière, en Coupe de la Ligue ça va être dur. Et finalement, eh ben, on aurait été gagné 3 buts à 1 à Metz, dans un match qu'on a parfaitement bien maîtrisé. 4 buts à 0 face à Créteil, et en quart de finale de la Coupe de la Ligue, on s'est fait sortir finalement par Guingamp. À Guingamp, 1 but à 0, voilà, un but encaissé à la 64e minute, dans un match où on a été plutôt bon. Je vais vous montrer pareil, voilà, je me trouve plutôt pas mal quand même. Bon, on s'est procuré moins d'occasions que les Guingampais, mais je trouve que globalement, on a été plutôt pas mal. Donc, voilà, j'ai vu des choses intéressantes. Il faut s'appuyer sur ce genre de match-là. Et puis, ben, on a fait match nul à domicile face au Havre, un but partout. Et le 16 janvier, là, face à Niort, on a gagné un but à 0. Alors, vous doutez bien qu'avec cet enchaînement de bons résultats, on est bien remonté au classement. Et en effet, on est très bien remonté puisque nous sommes classés premier du championnat. Alors, premier du championnat, vous voyez, on a 43 points, et le second, Nancy, ils ont 38 points, donc on a quand même 5 points d'avance, et on a 10 points d'avance sur la 6e place. Donc, un petit matelas assez confortable. Alors, le classement, il est intéressant parce que on a pris un petit peu d'avance sur nos poursuivants, bien que, initialement, je ne pensais pas que mon équipe soit capable de jouer la montée directe. En toute sincérité,
nous voyait bien lutter pour une quatrième ou une cinquième place là, par là, jouer un barrage d'accession, et puis bon, après un barrage, il peut tout se passer, mais je ne voyais pas terminer et être susceptible de jouer les deux premières places. Ça, c'est plutôt quelque chose de très positif. On va essayer d'en profiter, on va essayer de fructifier là-dessus. Maintenant qu'on est là, de toute façon, il n'y a plus qu'une chose à faire, hein, c'est essayer de continuer dans cette voie-là et d'aller chercher la montée directe. Au niveau des stats joueurs, vous avez vu apparaître, bon alors, pour le prendre depuis le début, le pourcentage de tir cadré, ça m'intéresse pas bien. Au niveau des buts, Florian Hayet fait son apparition. Il est passé titulaire dans la hiérarchie des attaquants. Il est passé devant Mediatara et il fait plutôt une belle saison. Je vous montrerai ses stats tout à l'heure. Au niveau du passe-clé, Ludo Aubragnac, il fait une saison à 33 ans, vraiment de très 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 bonne qualité. Le meilleur passeur du championnat, c'est Ivan Firer. Pareil, 33 ans, très grosse saison. Vous voyez, Romain Philippoteau fait aussi son apparition dans ce classement-là. Voilà. Nos trois de devant, là, la triplette Philippoteau, Firer et Aubragnac, ça fonctionne pas mal. Au niveau des dribbles, je crois que voilà, Fumita Mudzu est présent. Il est plutôt pas mal. Bon, après, c'est pas rare. Voilà, il était un peu en feu en début de saison. Il commence un peu à s'éteindre. Il va falloir que j'arrive à le relancer. On s'aperçoit que mon latéral Kenji Rombuto, eh ben, pendant les matchs, il est quand même assez actif et ça me plaît bien. C'est un trait de caractère que j'aime beaucoup, notamment pour les latéraux, puisque je veux des latéraux qui provoquent. Voilà. Pareil au niveau des tacles, il est présent. Les tacles décisifs, Jordan Adeoti. Voilà. Belle saison parce qu'en plus, on a quand même souvent la possession du ballon. Donc, que j'ai un défenseur au milieu qui soit assez décisif au niveau des tacles, c'est quand même assez intéressant. Et voilà, au niveau des buts encaissés, de toute façon, Zachary Boucher, il est pas mal parce qu'on défend, globalement, on défend mieux, on va dire. Au niveau de l'équipe, bon, plus de tirs cadrés, c'est nous, 42%. C'est intéressant. C'est intéressant parce que c'est ce qui fait qu'on est réaliste et qu'on arrive à marquer des buts quand même. Donc évidemment, on est la meilleure attaque du championnat, 43 buts inscrits en 21 matchs, et une moyenne de 2 buts par match, c'est quand même une jolie stat, je trouve. Au niveau des centres réussis, on est pas du tout présent, mais pas bon. On n'est pas bon au centre, il va falloir progresser à ce niveau-là. Et c'est dommage parce qu'on est bon dans le domaine aérien. Comme vous voyez, on est troisième au niveau des têtes réussies. Donc, enfin des têtes remportées, pardon. C'est dommage du coup de pas être meilleur centreur que ça, au vu de la qualité de centre dont on peut, de la qualité de tête dont on peut faire preuve. 80% des passes réussies. Joli stat, on est premier, ça me plaît. Possession du ballon, évidemment, c'est ce que je cherche. Donc, on est bien présent aussi. Par contre, on est un peu débouché, quoi. On commet beaucoup de fautes. Bon, il faut que je sois vigilant là-dessus. Il faut que je fasse un peu attention à demander aux joueurs de rester un peu plus calme, peut-être. Je mets un gros engagement, alors qui est positif, on va dire, hein. Mais bon, il faut faire attention à ne pas prendre trop de cartons, quand même. Au niveau des tacles remportés, au niveau du pourcentage, bon, on n'apparaît pas. On tacle beaucoup, mais on n'est pas hyper efficace, il faudrait progresser là-dessus. Mais par contre, défensivement, vous voyez, il y a un vrai progrès. Donc ça, c'est très intéressant. Voilà, pour ce qui est des statistiques. Alors, au niveau de la tactique, en gros, oula, bon là, vous voyez, j'ai des mecs qui sont un peu absents pour cause de suspension. Voilà, il va falloir que je travaille là-dessus, justement. Alors, au niveau de la tactique, on est passé de ma tactique, on va dire, de la V1, où on jouait en analytique contrôlée avec un positionnement très fluide, bah tout simplement, la V2, c'est la même chose, sauf que je suis passé toujours avec une mentalité contrôlée, par contre je suis passé en positionnement souple, et depuis qu'on est passé en positionnement souple, je trouve qu'on a gagné un peu en efficacité. La V3, c'est... On est en phase de test sur une technique de contre quand on mène en fin de match pour éviter de prendre des buts. Bon, c'est une phase de test, on n'y est pas encore. Pour l'instant, on est sur la V2 qui est plutôt efficace. Alors, si on veut un petit peu détailler plus précisément les joueurs. Alors là, cette composition-là, c'est parce que j'avais dû faire un peu tourner. Enfin, un peu tourner. Voilà, c'est les spécificités du match qui font quand même que de temps en temps, je suis obligé de faire tourner un peu certains joueurs. Alors, Florian Hayet, je vous ai dit, est devenu titulaire. Il a pris la place de Mohamed Diatara. Alors, non seulement il marque des buts, parce que vous voyez,
Depuis le début de saison, il a marqué 11 buts déjà, ce qui est quand même pas mal pour 5 passes décisives. Mais en plus, voilà, il participe à la construction du jeu, et ça me plaît bien. Et en plus, à 20 ans, il est en grand progrès. Donc, il faut qu'il continue comme ça. Ce garçon-là me plaît de plus en plus, donc c'est bien, il faut qu'il continue. Ludo Bragnac, que je peux aussi. Sur lequel on peut faire un petit focus. Bon, il est vraiment en perte de vitesse au niveau des qualités physiques. Par contre, il a une technique qui est quand même en Ligue 2. Il est supérieur à la moyenne et on le ressent. On le ressent, il est vraiment efficace. Il participe énormément à la construction de notre jeu. Et c'est vrai que quand il n'est pas là, on sent qu'on perd quand même globalement en efficacité. Au milieu de terrain, alors au milieu de terrain, il y a grosse bataille entre Birama Touré, Brahim Konaté. Brahim Konaté, pardon, vous voyez. Bon, alors Brahim Konaté, bon, là, il a une petite baisse de niveau, mais enfin, c'est parce qu'il est en train de travailler un petit peu à côté. Voilà. Mais Lamine Famba ne donne pas sa part au chien non plus. Et évidemment, Abdoulaye Sissako, pareil, a pas mal de temps de jeu. Vous voyez, tout ça, c'est tous des jeunes qui sont en train de bien progresser. Et c'est un aspect de notre équipe qui me plaît beaucoup. Bon, défensivement, Yahya Sané a pris quand même, vous voyez, une place de titulaire. Il a pris la place de Takalfred. Takalfred qui est pas mal, mais Takalfred, le problème, c'est que on prend des courants d'air dans son dos. C'est terrible. C'est terrible. Il prend, dès qu'il est sur le terrain, j'ai l'impression que mes adversaires se focalisent sur lui. Et alors, ils mettent des ballons dans son dos. Et avec son 8 en accélération. Pourtant, il a un 13 en anticipation qui devrait lui permettre justement d'être bien positionné avec un 13 en placement. Mais alors, il prend des courants d'air terribles. Du coup, je l'ai remplacé par Yael Sané qui est finalement plus efficace. Sur le côté droit, Issa Samba, alors il me fait une jolie saison. Il me fait une jolie saison. Il a déjà lâché 4 passes décisives, c'est pas mal. Il a 19 ans, il est en progrès. Bon, alors là, évidemment, il y a les flèches qui vous indiquent que. Pas forcément du progrès, mais moi jusque-là il progressait. Kenji Van Boto, hop, il est là. Alors lui aussi, gros progrès, j'aime beaucoup son profil. C'est un latéral complet et vraiment il est assez efficace. Voilà. Et je voulais vous montrer Afumu Tanguzo, voilà, qui a pas mal joué, qui s'est blessé, donc du coup, ça a un peu ralenti son temps de jeu, un peu diminué son temps de jeu, mais enfin bon, malgré tout, il a une jolie stat, hein, avec ses 7 buts en championnat, c'est quand même pas inintéressant. Bon, il plafonne, hein, donc voilà. Alors, j'avais avancé un petit peu jusqu'au 16 janvier, parce que j'avais l'intention d'essayer de réaliser un transfert. Notamment, je voulais. En fait, je voulais transférer Mohamed Yatara, qui a un gros salaire, puisqu'il nous coûte quand même 52 000 par mois, qui a une évaluation à 1,3 million. Donc, je voulais quand même profiter de cette évaluation un petit peu haute, à mon sens, par rapport à ses qualités, parce que vraiment, techniquement, c'est compliqué. Hein. C'est vraiment compliqué pour le faire évoluer dans notre jeu. Donc, je voulais en profiter pour le vendre, sauf que ben, y a pas grand monde qui en veut. Pour l'instant, on va rester comme ça. A priori, sauf changement de dernière minute. Mais il n'y aura pas de transfert d'ici la fin du mercato. Nos seules arrivées sont Marcus Makim, je vous l'avais montré. Alors, voilà, je vous le remontre. Alors, ma crainte, c'était qu'il soit libre, mais en fait, il va rester au club de Vålerenga jusqu'à la fin de la saison. Donc, au moins, il aura quand même un peu de temps de jeu. Hakon Lorentzen, alors Lorentzen, pareil, vous voyez, bon, il n'a pas vraiment progressé depuis le début de la saison, enfin je le paye vraiment pas cher, donc, de toute façon, peu importe. Et on a fait signer un transfert libre, Lorenzo Caligari, qui je pense peut petit à petit progresser, et pareil, toujours dans cette logique un peu d'avoir des jeunes joueurs, de les faire progresser, de les vendre, bon, c'est un garçon qui peut être intéressant. A priori, pas de transfert d'ici la fin de la saison. Maintenant, rien n'est figé. Si jamais il devait y avoir une vente notamment de Mohamed Diatta pour nous libérer un peu du budget de transfert et du budget salarial, parce que vous voyez, c'est quand même compliqué, les finances sont pas au beau fixe, on descend un peu tous les mois. Donc si jamais il devait y avoir des transferts, je vous ferai un petit coucou et on ferait un petit point justement de transfert. A priori, il n'y aura pas de mouvement. Donc,
S'il n'y a pas de mouvement, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve maintenant en fin de saison et on débriefera la saison et on verra si la JOCR monte. Voilà, voilà pour ce point hivernal, on va dire. J'espère que les vidéos vous plaisent. J'espère que ma façon de vous présenter un petit peu mes aventures à la JOCR vous plaît et que vous avez plaisir à les suivre. Voilà, n'hésitez pas à me faire des commentaires pour que je puisse progresser, toujours, il n'y a aucun souci. En tous les cas, écoutez, moi je prends beaucoup de plaisir à manager cette équipe de la JOCR et j'ai envie d'aller loin dans cette partie parce que vraiment, je prends beaucoup de plaisir à les manager et j'ai quand même bon espoir d'avoir une petite cuvée de régents bien sympa. Voilà. Allez, et bien écoutez, sur ces belles paroles, je vous laisse, je vous dis à bientôt. On débriefera la fin de saison. Allez, d'ici là, jouez bien, à très bientôt, ciao ciao.